Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors oui, je crois qu'on va garder les planches là pendant très longtemps en déco. Il faut que je les achète et qu'ils me les bougent là parce que ça m'énerve. Ouais. Donc, il est 9h38. Je suis complètement gelée. J'ai allumé le poêle une heure ce matin. En même temps que j'ai fait sortir les chichous, qui sont rentrés tout seuls d'ailleurs. J'ai pas eu à courir après aucun des deux. Et je l'ai éteint un peu tôt, je crois. Je l'ai éteint pour pas que vous soyez déjà embêtés avec le poêle qui tourne en fond sonore, mais il est froid. Je pense que je vais peut-être le rallumer un petit peu. Bref, je suis en train de reculer. Donc, mon petit week-end. Vendredi, j'ai reçu mon chapelet. Que je vais vous montrer tout de suite. Donc, je l'ai commandé. C'est la maison Halleux. C'est belge. Voilà, c'est à Louvigny, pour ceux qui connaissent. Donc, je suppose que vous pouvez aller dans la boutique directement. Hein. C'est une boutique religieuse. Religieuse Saint-Christophe.com. Voilà, comme ça, religieux-Saint-Christophe, tout attaché. Si jamais, je ne sais pas du tout s'ils livrent en France ou quoi, hein, je ne me suis pas renseignée, mais voilà, si jamais il y en a que ça peut intéresser. Donc j'ai acheté un chapelet en hématite du Vatican avec les frais de port qui sont énormes. Je trouve pour Belgique, que j'ai pas pu faire livrer à la maison, que j'ai dû le faire livrer au point poste. J'en ai eu en tout pour 12 euros en sachant que le chapelet était 5,18 euros, je crois. Donc les frais de port étaient quand même assez élevés. Surtout que c'est ben, c'est Belgique et même pas à la maison. Donc je trouve ça franchement abusé. Je ne sais pas pourquoi c'est si cher. J'ai pas compris. Donc je vais vous le montrer. Donc on le reçoit super bien emballé. Hein. Franchement, il était bien protégé dans un carton et tout. Et dans un petit pochon comme ça en espèce de lin. Et il est sublime. Par contre, il n'y a pas de différentes tailles de perles. Donc je trouve ça un peu bizarre pour savoir pour les Ave Maria et tout ça. Enfin bref, c'est pas pour prier que j'ai acheté, hein, c'est pour... voilà, parce que c'est un chapelet. Et je pense que je vais essayer de voir mon curé, enfin mon curé, le curé de mon village pour le faire bénir. Donc je vous montre les perles, elles sont magnifiques. Franchement, sublime. Il est canon, canon, canon. Et on a donc une... Donc la pampille, et là au milieu, c'est le Vatican. C'est le symbole du Vatican, derrière aussi. Et la croix aussi est sublime. Je vais essayer de bien vous montrer ça avec Jésus sur sa croix. Voilà. Maintenant, est-ce que je vais oser le laisser autour du cou tout le temps? Je ne sais pas. J'ai peur de l'abîmer en fait. Mais bon, je l'ai acheté pour ça, hein, donc voilà. Pour l'instant, je le laisse là, ce soir j'ai kiné, donc pour pas m'embêter avec des bijoux, j'évite. Là, j'en ai même pas vu que je fais des vidéos d'Halloween. Donc, je mettrai ça après les vidéos d'Halloween. Bref, voilà pour ça. Le soir, donc, du coup, je vous avais expliqué que Chéri avait super bien organisé, qu'il avait invité mon frère, qu'on ne savait pas à combien il venait, ni à quelle heure. Donc, il s'est pointé à 6h, il était juste avec sa copine. Et bon, on a passé une bonne petite soirée, voilà. Chéri avait fait ses fameuses courgettes farcies, courgettes du jardin, donc il était tout content. Mais il a l'organisation d'un poulpe. Hein. Je ne sais pas à quelle heure il invite les gens, il ne sait pas à combien ils viennent manger. Voilà, ça c'est mon mari, quoi. On organise, c'est juste tu viens manger, oui, d'accord, voilà. Du coup, il m'a aussi annoncé que normalement, ils bossent samedi parce qu'ils font l'implantation d'une nouvelle cuite. Et le gros problème, c'est que samedi, logiquement, on va manger chez Manon pour son anniversaire qui était au mois 1er septembre. Hein. Mais du coup, ça pose problème. Donc, on aura confirmation demain. Au pire des cas, on a trouvé la solution. Manon va tout ramener ici. Pour faire son anniversaire ici, ma foi, on n'aura pas trop le choix. Hein. Amy s'était proposé de venir me chercher, mais
Ça lui fait quand même 1 heure de détour, aller venir me chercher, me ramener, retourner sur place et tout. Donc j'ai vu le prix de l'essence, ça m'embête vraiment très très fortement. Voilà, donc je ne sais pas trop comment ça va se jongler ça, on saura ça demain. Je vais dire que dès qu'il sait qu'ils me préviennent, que je puisse prévenir les filles, qu'on sache si c'est nous qui allons ou si elle doit tout ramener ici. Voilà, qui essayait de profiter d'ailleurs pour que je me tape leur part en plus, madame. Bref, principal c'est que je les vois, après je m'en fous de où on se voit, c'est qu'on se voit. Hein. Le samedi, j'ai tourné une vidéo Halloween. Je voulais encore en refaire une hier, et puis finalement, ça fait 2 nuits que je dors mal. J'ai acheté un oreiller. On a été chez Action aussi samedi pour aller me chercher un oreiller ergonomique là. Alors j'ai un peu moins mal de la nuque quand je me couche, parce que normalement quand je me couche, c'est un enfer pour ma nuque. Mais j'ai pas l'habitude de dormir là-dessus. Donc j'attends encore quelques jours, voir si j'arrive à m'habituer. Mais si je suis trop fatiguée, je reprends mon ancien oreiller, quoi. Voilà. Donc j'ai tourné ça, j'ai fait une déco Bambi pour faire un test pour une vente. Chéri a ramené la cheminée, enfin il a été d'abord faire celle de ses parents, et ensuite il a ramené les cannes pour faire la nôtre, et on a enfin allumé le poêle. Ah, mamie, elle était contente. Oh là 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 là, on sentait la chaleur du poêle là, que je ne sens déjà plus maintenant. Je vais le rallumer après parce que j'ai beaucoup trop froid là, je suis gelée. Mais j'en suis au point où j'ai les mains qui me piquent, comme si j'avais été jouée dans la neige quoi. Oui, je sais pas si vous vous rendez compte, pourtant il fait pas si froid que ça dehors. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent la météo extérieure là? Ah, 10 degrés, ouais, c'est pas énorme, hein, mais bon. Je vais vous montrer après la déco que j'ai fait. J'ai fait hier, j'ai fait un DIY pour un concours donc d'Halloween que je vous ai expliqué, je crois, vendredi, avant de clôturer le vlog de la semaine dernière. Voilà, j'avais envie de refaire un truc que j'ai fait en vidéo que vous n'avez pas encore vu. Hein. C'est bientôt pour vous. C'est bien. Attendez, parce que là, je suis en décembre déjà sur mon planning. Moi. Mais ça, oui, ça commence la semaine prochaine. Ça commence jeudi. Bon, c'est pour la semaine d'après cette vidéo-là, mais j'ai envie d'en refaire un. Du coup, je me suis dit, bah, comme ça, lors de la dernière vidéo d'Halloween, je vous le fais gagner à vous. Et j'ai fait ça hier. Ça m'a pris une bonne partie de la journée. J'ai beaucoup joué au co-live, du coup. Je vais vous montrer après aussi, tiens. Tant qu'on y est, on est entre nous, je dois pas filmer aujourd'hui. Donc j'ai déjà fait un montage ce matin. Il m'en reste 2 à faire. Donc j'ai le temps, il faut que je fasse la cage des titis aussi. Et j'aimerais bien trier ma garde-robe. Mais alors là, j'ai la motivation d'une huître, quoi. Donc j'ai fait beaucoup de déco sur mon jeu. Normalement, ça sera déjà passé pour vous. Mais vendredi, donc pour moi, mon mari est censé ne pas être là la soirée, puisqu'il est invité dans un restaurant gastronomique pour une dégustation de vin, de rhum avec des clients, pas patati patata, voilà, soirée avec des clients. Donc peut-être bien que je ferai un live sur le jeu, parce qu'il y a des gens qui font un contenu personnel en fait, et vous pouvez aller les télécharger, donc ça fait un peu comme du lèche-vitrine. Et je pense qu'on va faire un live lèche-vitrine. Vendredi. S'il n'est pas là, je pense que je vais le faire. Il y aura Sam, mais bon, Sam, de toute façon, je filmerai en bas, comme ça, vous ne voyez pas à l'avance le fond d'Halloween, parce que ça, je serais trop triste, hein, je serais trop déception. Donc, je me demande si je ne vais pas faire ça. Je vais voir, je vais lui demander confirmation pour savoir à quelle heure il va. J'ai une tache rouge là où je rêve. En ce moment, comme je m'attache beaucoup les cheveux à la vache t'en foutre, et que je mets les perruques et tout ça pour les looks Halloween, et je mets beaucoup de trucs sur mes cheveux, ben du coup je rattrape plein de petits boutons qui me regrattent à mort. Donc là demain je tourne un autre make-up Halloween et je me laverai les cheveux demain soir comme ça, parce que j'ai dû bien nettoyer mes racines avec celles que j'ai fait samedi. Mais comme ça je laverai mes cheveux en même temps de nouveau avec le shampoing au monoï là, parce que ça m'a beaucoup calmé pendant 2-3 jours.
Je vais ouvrir la chaîne et je vais prendre ma déco Bambi. Donc voilà, j'ai mis des congés à poulettes du chien, comme ça après je peux leur donner à manger et je vous reprendrai une fois que je les ai nourris pour vous montrer le jeu. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors attendez, j'enlève les petits fils de colle, hein, parce que comme je colle avec de la colle chaude. Ah, j'aime trop. C'est trop beau. Voilà, je m'éclate avec ce truc. Alors normalement c'est censé être un vase, hein, je vous rappelle. Heureusement que Maryse m'en a offert 3 là. Donc à chaque fois je change le socle et le socle en fait c'est des. Bah, c'est pareil, c'est des moules qu'elle m'a offert. Là normalement c'est le pied d'une lampe qui est en 3 parties avec une tige et un truc au-dessus. Donc là j'ai mis le pied. J'aime beaucoup l'effet que ça fait à l'intérieur. Pas si vous allez voir, j'ai pas mis de lampe dans celui-là et les bambis, c'est ceux qui viennent de mon fond. Là, vous savez que j'avais fait le tout grand, pareil pour le petit hérisson, parce que je suis en train de le démonter. Parce que bon, maintenant il commence à s'abîmer, le plâtre commence à s'effriter. Puis ça prend la poussière, quoi. Donc voilà, mais j'aime trop. Alors, vous voyez que derrière, c'est pas régulier, puisque ça arrive que les décos ressortent un peu, mais c'est derrière, donc on s'en fout. Regardez sur le côté l'effet que ça fait. Je suis trop contente, j'arrive à faire vraiment les effets comme que je commence à avoir envie d'avoir. Donc ça me plaît trop, et j'en ai chié pour coller les bambis. J'arrivais pas à mettre les deux, puisque c'est arrondi, hein, le socle ici. J'arrivais pas à mettre les deux là, donc je les ai mis comme ça, et je trouve ça très beau aussi. Voilà, donc là je vais refaire le même style comme ça et mettre, non je montre pas parce que je ne sais pas si, si les gens qui vont recevoir le cadeau après regardent mes vlogs, donc je montre pas. Je ne pense pas, mais au cas où je préfère pas laisser la surprise vu que c'est des cadeaux qui vont être faits. Voilà, j'aime trop l'effet un peu forêt comme ça. Alors me demandez pas de vous le refaire, hein. Pareil je peux pas, j'ai que les deux figurines là. Maintenant, je peux vous faire avec. Par exemple, le petit wapiti assis, ou un ourson, un gnome, ou des choses comme ça. Là, je peux le refaire, faire le même effet, la même déco à peu près, mais les bambis, j'ai que ceux-là. Hein. Ouais. Bon, je vais attendre. Riley, elle rebondit sur le canapé et elle saute sur le chien. C'est session 4 à cette heure-ci. Il recule jusqu'à la cuisine pour essayer qu'elle sorte. Bon, je vais m'occuper d'eux, je vous reprends après, je vous montre parce que j'ai fait quelques décos de Noël. Et après je vous montre le jeu, voilà. Donc je vous montre déjà les décos de Noël. Je suis coincée. Que j'ai fait, il y en a que j'ai déjà faites et que j'ai refaites dans les bonnes couleurs et les autres je vous les mettrai dans le concours. Je pense que je vous les enverrai avec le truc d'Halloween, comme ça si jamais vous gagnez... ben vous aurez vos décos pour mettre dans vos sapins. Pareil, ici, je vais mettre une petite truc et une attache. Comme ça, vous pourrez les mettre dans votre sapin aussi. Moi, je vais m'en refaire en rose des champignons, mais je pense que je vais les faire en fimo. Je ne sais pas, il faut que je vois. Je ne sais pas ce qui est le plus léger, en fait. Parce que j'ai fait ce nœud-là. Je suis accro à ces paillettes, là. Hein. J'en fous partout. C'est très beau, mais je pense que c'est peut-être un peu lourd pour mettre dans le sapin. Maintenant, ça peut être très beau pour le mettre au-dessus. À ce moment-là, je peux essayer de coller juste du fil de fer d'un côté pour le tournicoter à la branche du bas, enfin du haut, et puis mettre ma déco de Noël. Je sais pas, je verrai bien. Donc, il y en a que j'ai fait des très 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 simples, comme ici par exemple, dans les couleurs de mon sapin toujours. Alors, j'essaie de vous montrer le bon côté. C'est des boucles d'oreilles, hein. Normalement c'est un moule pour les boucles d'oreilles que j'ai en double, donc je fais deux fois les mêmes. Voilà, mais comme ça j'ai fait, vous savez, de temps en temps il faut des petites décos pour mettre dans son sapin plus en haut. Ici j'ai utilisé ceux des porte-clés pour faire ceux-là. Avec encore ces foutues paillettes là, j'en fous partout. Après je vais râler parce que je n'en aurai plus.
Bon, c'est pas totalement les couleurs de mon sapin, hein, mais on fera avec, hein. Elles sont holographiques, de toute façon, il y a du rose dedans. Avec les moules du carillon, j'ai refait les mêmes que je vous ai déjà montré, mais en blanc. Alors là, je vous les montre vraiment à la vache t'en foutre, hein. Vous voyez absolument rien. Attendez, je vais glisser mes doigts dans les ficelles. C'est juste du fil à coudre, hein. Et j'ai mis le fard multichrome Corazonna là, que j'adore pour donner un petit effet, voyez, holographique. Voilà, et pareil, je pense que ceux-là, je vais les refaire en rose, les espèces de porte-clés comme ça aussi. Ceux-là, je vais les refaire en blanc quand je referai de la résine. J'ai refait deux cadres comme ça, baroque, avec le petit nœud blanc au milieu, toujours dans les couleurs de mon sapin. Mais il me prend une lubie, c'est que l'année prochaine, je vais le faire en noir et blanc. Donc il faudra que je refasse mes décos en noir et que j'achète des boules noires. J'ai fait celui-là. Donc celui-là, il avait bavé. Donc vous voyez, j'ai juste coupé ce qui avait bavé, mais j'ai laissé une bande pour coller par-dessus le petit nœud. Et pareil avec des moules de boucle d'oreille et mon moule avec les petits nœuds. J'ai fait ceci. Alors attendez, j'arrive pas à glisser mes doigts dedans. Je ne trouve pas le croc. Je ne trouve pas le croc. Donc ça, pareil, je pense que je vais faire en inversé après le nœud rose et la déco blanche. Alors je vous filme pas tout ça parce que voilà, mais ça vous donne quand même des idées de déco de sapin. Oh, même superposé comme ça peut être beau. Mais voilà, ça fait deux décos super simples, super belles. Avec pareil, j'ai mis le truc holographique, la poudre holographique. Et j'attends de recevoir mes petits flocons et Bambi pour faire mes décos de Noël, le reste. Parce qu'il faudra que je le fasse aussi en plusieurs couleurs. Mon Bambi que j'ai fait en plâtre, je l'ai bombé quand j'ai bombé votre déco. Et j'ai en fait, mon carton n'était pas stable, donc il est tombé, ça a pété les deux cornes et il y en a une, les deux bois. Il y en a une qui ne veut pas tenir, absolument pas. Il y en a une que j'ai réussi à recoller tout simplement avec. Attends, j'arrive avec la super glue et celle-ci ne veut absolument pas tenir. Il y a quand même trois colles différentes et il tient toujours pas le bazar. Là, quoique. Donc là, pareil, je pense que je vais juste coller un petit bout de fil de fer ici derrière pour le stabiliser, quoi, qu'elle ne tombe pas. Et je suis dégoûté. Et comme le plâtre a bombé le noir, ça donne un gris métallisé comme ça. C'est très beau. Mais pareil, je le referai en résine quand je referai de la résine. Et j'ai fait également cette lune. Donc c'est le moule normalement où il y a le loup. Du coup, chérie me l'a coupé. Il faut que je lime un peu. Parce que Maryse m'a envoyé une déco où la dame me faisait une lune comme ça. Puis elle faisait pendre des chaînettes, des brillants et tout ça. Donc je vais m'amuser à faire ça. Et voilà. Je vais faire rentrer le chien, je lance mon jeu et comme ça je vous montre parce que j'ai déjà presque plus de batterie. Je vous montre 5-10 minutes, hein, pas 2 heures non plus. Parce que je pense qu'on se fera donc soit le live vendredi si chérie est pas là. Et qu'on s'en fera dans pas très longtemps. Voilà. Donc j'arrive. Donc voilà. Oko Live. Et franchement, je l'ai payé 20 balles le jeu. Waouh. Je suis vraiment bluffé par la qualité du jeu. Et donc sur Culture, je l'ai acheté à cause de Culture Gaming, hein, voilà, je me suis dévoré leur playlist. Et comment franchement, il vaut largement son prix, hein, parce qu'il est bien poussé et apparemment, ils font aussi des mises à jour régulières, des événements et tout ça. Donc là, il va certainement bientôt y avoir celui d'Halloween, je pense, ou Noël, je ne sais pas comment ça se passe. Il faudrait que j'aille un peu me renseigner, je ne sais pas. Mais bon, voilà, franchement, je le trouve très, très, très bien. Donc, je vais vous faire visiter ma petite maison. Alors, il n'y a rien que j'ai fait moi-même, hein. J'ai tout été prendre sur le catalogue des créateurs. Regardez ce petit canapé, là, comme il est beau.
Magnifique. La petite étagère aussi. Donc ça, c'est des constructions que moi j'ai fait par contre. Vraiment la base quoi. Les petites citrouilles pour l'automne, la cheminée. Je ne sais pas si on peut interagir avec. Ah merde, je me retrouve encore coincé. Chaque fois, je vais me coincer là dans le bazar. Voilà. Donc vous avez le code créateur si jamais vous voulez faire pause. Non, on ne peut pas l'allumer. Enfin, il est déjà allumé. Et j'ai ajouté un étage du coup à ma maison, mais là il faut que je regarde pour la modifier, l'agrandir en fait. Donc voilà, pareil, là j'ai rien fait moi-même, hein. J'ai tout regardé cette petite lampe renard. Trop, 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 trop belle. Ça c'est moi qui ai fait, mais c'est dans la base du jeu, quoi. Tout le reste, j'ai téléchargé. Là ça vient de Zabou, de Culture Gaming. Voilà. Et c'est ça qu'on fera, je pense, dans le live, c'est aller voir, j'ai plein de codes créateurs là. Qui ont été partagés pour aller voir un peu les boutiques des créateurs, tout simplement. Moi, j'ai mis quelques trucs parce qu'on doit les mettre on doit le faire en boutique, hein. Ah, j'ai eu du courrier. Yara, l'étude entomologique aura lieu aujourd'hui de 9 h et c'est très bien. Viens me voir si tu as besoin d'aide pour attraper des insectes. Non, je sais comment faire. Donc, il faut que j'attrape des insectes aujourd'hui à partir de 9 h. Donc là, j'ai téléchargé une petite fairy house. Regardez comme c'est trop chou. C'est trop mignon. J'ai remis la lampe renard là. Ça aussi, ça vient de Zabou, de Culture Gaming. Ça vient de Monsieur Culture Gaming. Je suis désolée, je ne sais pas comment ça s'appelle. Regardez la petite balançoire. Hein. Oh là 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 là. Mais il y a des trucs, c'est vraiment canon. Franchement, il est hyper agréable à jouer. Je vais voir si j'ai eu des dons. De l'argent, oh ça c'est bien. Hier, dans le jeu, j'ai eu des mauvaises herbes. Trop gentil parce qu'on sait rien en faire. Chaise simple en métal pour yo-yo. Bah écoutez, on va aller faire ça ensemble. Ouais, j'ai du métal. Hein. Oui, je vais le recevoir. On va y construire une chaise en métal. C'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez tout personnaliser. Par contre, je trouve que ce qui est dommage, c'est que par exemple les couleurs. Il faut à chaque fois comment? Je vais prendre un tissu et du rembourrage aussi, comme ça je vais faire un coussin sur la chaise. Il faut un saut de peinture en fait à chaque fois que vous l'utilisez. Je comprends pas trop le principe. Mais écoutez, hein, j'ai déjà allé faire des lingots de fer. Un oreiller. Ah, il me faut deux tissus. Mais j'ai pris du rembourrage. Je vais le prendre. Oh. Je vais faire des lingots d'acier. Ah non, c'est du sable que j'ai pris. Pas du tout. C'est pas la même utilité. Hein. Ok, je vais faire un petit coussin pour mettre sur la chaise. Voilà. J'ai rien besoin d'acheter à Sally avant. Ici, c'est tous vos packs. Donc là, c'est tous les trucs offerts dans le jeu, en fait. Hein. Enfin, voilà, les tissus, les décos, tout ça. Ici, c'est les packs que vous pouvez télécharger, enfin, que vous devez d'ailleurs télécharger pour pouvoir construire vos bitonios. Je ne sais pas comment mieux expliquer que ça, vos meubles. Et ici, c'est les peintures, voilà, pour faire des dessins sur les t-shirts notamment. Et normalement, vous avez accès ici. Attendez, c'est où maintenant? Non. Ici, si vous choisissez un modèle, donc ça, c'est les éléments de base du jeu. Ici, vous avez vos constructions. Donc ça, c'est moi aussi qui l'ai fait, le lit, mais il manque le matelas dessus. La petite lampe là aussi, c'est moi qui ai fait, mais le reste, c'est la table là aussi. Le reste, c'est tous des trucs que j'ai téléchargés. Le feu de camp, il est magnifique. Ça, c'est magnifique. Ah oui, j'allais vous montrer après sur la plage. Les petits Bernard l'ermite pour mettre sur la plage, c'est trop génial, quoi. Le petit panda, je l'ai mis près de la boutique sur la plage. Voilà, il y a des très beaux trucs, mais je vous montrerai ça. C'est quoi qu'il fallait que je fasse? Une chaise. Ok, donc je vais ajouter des éléments qu'on va prendre en métal. On va déjà mettre les pieds.
Par contre, ce que j'ai du mal, moi, c'est pour la taille de l'objet. Je vais prendre ça pour faire le pied. On va faire un espèce de hamac, enfin chaise ronde, je sais pas trop, je sais pas comment expliquer. Je vais le redimensionner, donc je vais l'agrandir au max. On va le redéplacer petit peu par là, pour que je sois centré. Je vais le redimensionner en plus bas. Et vous voyez, c'est là que j'ai des problèmes parce que je ne sais pas le rendu. Mais je crois qu'on peut avoir un guide. Mais pourquoi il ne veut pas se redimensionner? Ah voilà, j'avais pas pris le bon truc. Non, je vais peut-être le faire là, ici, le socle. Voilà. Il me semblait qu'on pouvait avoir un guide. Merde, j'ai perdu tous mes trucs maintenant. Guide, voilà. Ok. Ça m'aide. Par contre, je n'ai plus mes. Je n'ai plus mes trucs. Ah oui, c'est parce que je ne les ai pas sélectionnés. Alors, je vais prendre le rond, enfin le demi-rond comme ça. On va le poser là pour l'instant. Je vais le faire pivoter. Comme ça. Ah oui, mais il est plein. Merde, j'ai cru que c'était une cuvette. Alors, attendez, je crois qu'il y en a une espèce de cuvette. Cuvette. Ça doit être celui-là, alors. Ouais, bon, il y a un trou, mais on va jongler ça. Vous voyez, pour faire un fauteuil comme ça. Alors, je vais déjà le déplacer et le remonter. Et on va le redimensionner. Donc, il faut l'élargir. Non, pas dans ce sens-là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ryan! Mais Riley, putain, mais c'est pas possible. Ils ont décidé de me casser les cacahuètes. Hein. Ok. Ils sont extrêmement chiants, là, depuis 2-3 jours. Je sais pas ce qu'ils ont. Mais alors, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont chiants. Hop. Hop. Il est toujours bon. Et bon, ça fait des trucs derrière, enfin, sur les côtés. Oh, je sais plus parler. Je suis fatiguée. Je vous dis, je dors très 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 mal depuis 2-3 jours. Hein. Alors, par rapport à l'assise, on est bon. Peut-être le reculer un tout petit peu. Ça me paraît pas mal. Alors attendez, je vais enlever le guide pour voir où ce qu'on en est. Oui, ça me paraît pas trop mal. Alors je vais quand même mettre un pied du coup parce que sinon ça fait un peu bizarre. Est-ce qu'on mettrait pas une bouboule? Oui, on va mettre une bouboule. Elle est centrée. Ouais. Je vais la surélever parce qu'elle est rattachée. Ok. Et par contre, je ne sais pas si je peux ajouter mon coussin assis là. Ah, et vous voyez, vous avez plusieurs styles de coussin. Alors, on va faire un rond. On va le, c'est pour le, on va le redimensionner tout de suite. Hein, parce que ça fait un peu bizarre. 3. 1, 2, 3. Toujours trop grand. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La finir. Et le déplacer. On ne te parle pas. J'espère qu'il ressort.
chose derrière. Ah, ça me paraît pas mal, hein. Ah, il ressort derrière, merde. Merde, merde, merde. Alors, on va le redimensionner plus fin, mais plus large. Le déplacer un peu vers l'avant. On va enlever l'alignement. Je sais pas comment est-ce qu'on enlève l'alignement. Ça me paraît pas mal. Bon, il ressort un petit peu en dessous, mais c'est pas grave, ça se voit pas trop. Est-ce que j'arrive à le colorer? Paramètres. Non, ça c'est pour changer le fond. Guide. Pourquoi je ne sais pas le peindre? Que j'ai du tissu. Ah oui, mais j'ai pas fabriqué le tissu. Écoutez, ça me paraît pas trop mal hein, pour un petit fauteuil. J'ai mis combien de pièces là? Je crois qu'il m'en faut 4. On va remettre une pièce. Peut-être. En... Non, si je mets du bois, ça n'ira pas. Bah écoutez, regardez. Hop, on va le déplacer un petit peu. Je suis concentrée. Et le redimensionner. Ah oui, mais il n'y a plus les... On va l'aplatir un peu aussi. Voilà. Et je peux le déplacer. Ça me paraît pas mal. Je vais peut-être l'affiner encore un peu. Le rétrécir un peu aussi. Et l'affiner pour qu'on voit quand même la boule en dessous. Oui. Ça me paraît vraiment pas mal. Oh, ben j'aime bien. Ok, bah écoutez, je vais sauvegarder celui-là. J'irai le mettre en ligne après, donc je vais pas tout de suite le donner à celui qui me l'a commandé. Je vais ranger mon bordel dans le coffre, sinon j'ai pas assez de place. C'est pas ça. L'argent, je peux ranger. Ça, je peux ranger. Ça, je peux ranger. Ça aussi. Et les... Ah non, ça c'est pour aller chercher ma maison. Je sais plus ce qu'il me faut. Il me faut des briques aussi. Ah, mais j'ai pas assez de briques. Il me faut de la... Oh! Mais j'ai fait des photos de ce qu'il faut pour faire les maisons, parce que sinon, on s'en sort pas. Je voulais faire une ronde, mais je sais plus laquelle. Planches d'acajou et 20 briques. Ok, ça c'est bon. Écoutez, on va aller chercher une nouvelle maison, voilà, acheter une nouvelle maison, et puis je vous laisserai là parce que voilà, ça fait déjà un bon bout de temps que je filme. Ça fait 15 minutes sur le jeu, mais je vais pas vous faire tout le jeu comme ça parce qu'une fois que je suis lancé, je m'arrête. Et franchement, il est pas mal, hein. Franchement, pour 20 balles, très 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 bon jeu, hein. Ici, vous avez de quoi acheter les toits et les murs pour changer la façade des maisons. Vous en avez que un tous les X temps, un de chacun. Enfin, le toit, j'ai que le gris pour l'instant. J'en ai pas vu d'autres. Donc, je voulais faire la ronde. Voilà, magnifique. Acheter une maison. Hop. Et on va aller la mettre.
Est-ce que je peux aller la mettre au bois? Non, on va aller la mettre sur la plage, comme ça je vous montre vite fait ma plage. La boutique que j'ai téléchargée là, avec le petit panda et tout. Ce qui est bien, c'est que c'est totalement tout et personnel. Ça. Regardez-moi ça, comme c'est beau. J'ai mis un petit hamac aussi. Hop, ça je ramasse. Les petits Bernard l'ermite. Salut yo-yo. Voilà, j'ai mis le petit panda ici, juste à côté du bouc-nook. Bouc-nook, je sais pas si j'ai. Enfin, voilà, c'est fictif, hein, ça sert à rien. Hein. Et ici, une petite charrette de fleurs avec une lampe. Donc, j'allais mettre la maison par ici. Tiens. Il y aura quelqu'un qui aura vu sur la mer. Oh, Saint-Jacques. Alors, vous ne pouvez pas sauter, par exemple, ici, vous voyez, vous ne pouvez pas grimper. Donc, il faut. Ah, j'ai plus de batterie. Enfin voilà, je vais placer ma petite maison ici et voilà. Donc écoutez, nous, comme j'ai plus de batterie, on suit toujours. Alors, il est 8h36. Je viens de finir mon teint pour aller filmer une vidéo qui n'était pas prévue d'Halloween. Donc je vais me coiffer en vous expliquant, parce que j'ai plein de choses à vous expliquer. Comme si la première journée n'était pas assez longue. Donc, on va déjà commencer par le craquage du jour. Ce matin, j'ai commandé la nouvelle palette d'Anessa Blake. La Lightwork 5, volume 5. J'ai raté la 4 qui me plaisait beaucoup. La 5, je trouvais qu'elle faisait un peu moins de pétouille. Et en voyant les swatchs, je me suis dit, ah ben non, c'est de la pétouille. Donc je l'ai commandé. Voilà. Gros craquage. Hein. Gros craquage. Surtout que j'attends les sorties sur. Monolith, puisqu'il y a enfin la palette d'highlighter que j'attends depuis juin qui sort, et je vais quand même prendre la Adept qui me fait de l'œil aussi. C'est le même principe que la Danessa Merrick, hein, mais voilà. Bref, donc j'ai commandé la Danessa Merrick. Alors, elle est dispo sur Boozy Shop, maintenant on me l'a partagée hier à 162 €. Combien? Et là, sur Beauty Bay, elle est à 132,75 € et j'ai eu un code de 10 €. Donc, elle me revient à 122,75 € puisqu'il n'y a pas les frais de port à partir de 100 €. Le code, c'est WO10. WOW10. Voilà, comme ça, vous savez, je vous mets le lien en barre d'infos si jamais, parce que malgré le prix, elles partent hyper vite, ces palettes-là. Il y en a vraiment qui les attendent avec impatience. Donc, voilà. Craquage du jour, 122 balles, 123 quasi. Et ouais, en sachant que j'en ai encore pour 140 € sur Monolith quand ça va sortir. Hein? J'attends le lancement. Dans 10 à 14 jours, ils ont dit hier. Donc normalement dans 9 à 13 jours maintenant. Voilà, donc ça c'était pour le craquage du jour. J'ai fait un sondage hier pour voir sur Insta, hein, donc pour voir si vous vouliez que je vous fasse un live sur Oko Life, un live sur Oko Life vendredi, vu que Chérie est pas là. Il n'y a que deux personnes qui ont dit non, la majorité a dit oui, donc je vous ferai ça, mais du coup j'ai décalé les vidéos, donc c'est déjà tout passé, hein, mais comme ça vous savez, parce que du coup là je tourne une vidéo en plus pour Halloween que normalement je devais tourner, et puis j'avais pas assez de place pour la placer dans le planning, donc du coup j'avais reporté à l'année prochaine, et du coup comme j'ai modifié, eh ben, je peux la faire. Donc il n'y aura pas le live vendredi prochain, donc vendredi qui vient pour vous, puisque du coup je fais le live là maintenant sur OcoLife. Je l'ai fait pour vous vendredi, mais je ferai ce week-end. Je voulais vous dévoiler le fond en live, le fond d'Halloween, du coup je vais vous le montrer après, quand je monte. Et du coup je mets ce make-up-ci, donc vous avez un make-up en plus, le live en moins, mais un make-up en plus, que voilà, il faut que maintenant que je filme et que je monte pour qu'il soit prêt, hein. Si je vous dis n'importe quoi. Et voilà, donc petit changement pour ça. Et du coup, ça vous fait 2 semaines sur de vidéos non-stop. Donc la semaine qui vient pour vous, puisqu'on attaque Halloween.
Et la semaine d'après, puisque c'est Halloween en plein, je dis n'importe quoi. Ça va être chouette de tourner la vidéo quand je ne sais pas ce que je raconte. Et je pense que je ferai une troisième semaine, puisqu'en fait, si je refais un live qui risque d'être reporté, hein, vous le savez, voilà, ça dépend si j'ai des invitations surprises qui sont pas prévues de base. Mais je referai un live Ocolive. Un live Ocolive. C'est pas évident à dire, hein, où je vous fais la visite de mon truc. Puisque là, logiquement, on a fait du lèche-vitrine. Parce que je pense que je vais partager les codes créateurs, faire du lèche-vitrine, quoi, télécharger des objets de créateurs, et que j'installerai tout pour le prochain live, vous faire une visite de mon île, enfin de mon village, de ma ville, de mon jeu, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Du coup, il y a aussi la palette Swatch and Makeup d'Anaïs Améric qui va s'ajouter. Donc ça, je l'ai programmé pour le samedi 4. Je pense que je l'aurai reçu d'ici là, hein, puisqu'il y a quand même une, deux, trois semaines et demie. Donc je l'aurai reçu, mais je ne peux pas la placer avant, vu qu'avant c'est Halloween. Et il manquerait juste une vidéo pour le jeudi, pour faire vraiment une troisième semaine complète. Donc je trouverais bien quelque chose à placer. Peut-être les swatches, enfin, le swatch and makeup de la Adepte, si j'arrive à commander et recevoir avant. Mais je pense que oui. Ça dépend vraiment quand est-ce que ça va sortir. Sinon, je placerai un DIY ou je sais pas encore. Je verrai bien. Mais je pense que j'arriverai facilement à replacer une vidéo. Hein. Donc voilà pour ça. C'était le programme du matin. Le gros craquage du matin. Et j'attends encore le gros craquage sur Monolith. Ce site aura ma peau aussi, hein. Mais c'est quasi que des palettes à pétouille, quoi. Il faut arrêter 5 minutes. J'hésitais, je me suis dit, comme j'ai pris la truc, je vais peut-être pas prendre la adepte. Puis finalement, je me dis, après, j'aurais du mal à la revoir si je regrette. Donc voilà, autant l'acheter. De toute façon, les fards comme ça, les toppers à pétouille, c'est vraiment les palettes que j'utilise le plus. En règle générale, en principe, je me maquille avec ça quand je dois me maquiller hors vidéo. Donc voilà. Bref. De toute façon, il faudra que j'utilise les palettes pour les rentabiliser. Hein. Après, je me dis, comme j'ai pas craqué ni sur la collection Martine, ni sur la collection Jeffree Star, ni sur la collection Jolie Beauty, ça compense. Hein. On est à peu près bon. Donc voilà, bref. Bon, sur ce, je vais acheter de me préparer et je vous reprends en haut pour vous dévoiler le fond d'Halloween, du coup, à l'avance, hein, avant, puisque forcément, moi, il est installé depuis presque 15 jours maintenant, le temps que je tourne et tout ça, donc, je veux dire, une bonne grosse semaine. Ouais, presque 2 semaines quand même. Comme ça, je vous montre ça et on ne fera pas le live, du coup, découverte, mais ça permet de faire une vidéo en plus, donc c'est pas plus mal. Et voilà. Donc je fais ça et je vous reprends en haut. Et donc voilà pour mon fond d'Halloween. Donc j'arrive pas à vous le montrer assis comme ça. Voilà. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Alors bon, au-dessus c'est les étagères à bordel. Hein. Comme d'hab, on les voit presque pas. Donc je commence ici. Alors dedans, il y a des trucs que vous avez déjà vus ou qui vont arriver en vidéo DIY. Je peux pas remettre le flash maintenant. Non. Donc bref. Voilà. Il y a ça. Ici mon petit chapeau, je vous avais montré ça dans un vlog. Bon, j'ai laissé mon petit gnome ici pour pas le faire traîner. Ici, j'ai mis toutes les potions. Donc ça, vous les avez déjà vues, sauf celui-là, qui va bientôt arriver. Il y a ça. J'aime beaucoup ma déco cette année. Le petit diablotin, vous l'avez déjà vu. Et on termine avec ça. Voilà. J'aime trop, trop, trop. Franchement, ça donne super bien. Avec la guirlande orange en plus. J'aime trop. Bref. Donc voilà, sur ce, je suis prête pour filmer. Bon, avec mes bébés cheveux. J'ai mis le dos nu là et j'ai fait le nœud devant. Je trouve que ça rend super bien.
Voilà, bah écoutez, moi je vais tourner vite fait la vidéo, donc du coup qui sera la première d'Halloween, même si j'en ai déjà tourné plusieurs, mais qui est une vidéo en plus. Donc je vais tourner ça, j'aimerais bien faire la résine après que je dois faire avant que je voie Amy, c'est parce que je vois Amy samedi, comme ça je peux lui donner. Je sais pas du tout comment je vais jongler. Voilà, je vais voir au feeling de ma journée. Et voilà. Donc ben, sur ce, on suit toujours. Alors il est 9h, il y a la chienne qui gueule dehors après Ryan, ah, ils sont en train de jouer, oh mon Dieu, oh mon Dieu, elle court partout. Alors elle court partout, 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 et gros il bouge pas, il attend qu'elle revienne près d'elle et il lui fait peur pour qu'elle recourt dans l'autre sens. Voilà. Donc il est 9h, ça je vous l'ai déjà dit, je viens de me péter le pouce dans la gueule de Ryan quoi, pour lui donner son produit pour les puces. Quand même. Alors que c'est des petites pastilles à la viande. Riley, elle les gobe, elle. Enfin, en même temps, elle gobe tout. Mais Ryan, j'en lui mets de force dans la gueule. Jusqu'au bout, dans la gorge. Et lui coincer la gueule comme ça. Et il arrive quand même à leur cracher. Donc je lui ai mis 3 ou 4 fois. Et en poussant avec mon pouce, ben, je me suis fracassé le pouce dans sa gueule. Voilà. Pour finir, il a quand même mâché. Ce chien est d'une délicatesse. Monsieur ne veut pas manger n'importe quoi. Hein. J'ai brossé un peu mes cheveux, donc je les ai détachés. Je les ai lavés hier, donc ils sont tout lisses. Enfin, tout lisses. Tout est relatif. Mais ouais, là, ils sont bien. Je n'ai même pas besoin de les visser, je pense. Je ne vais pas filmer aujourd'hui. Là, j'ai fait déjà un montage. J'ai encore changé mon programme d'Halloween. Franchement, il faut que j'arrête. J'ai juste enlevé une vidéo, mais une autre à la place. Parce que. Il y en a un que du coup, comme voilà, je m'éclate tellement avec les make-up artistiques, hein, je crois que vous le savez maintenant, je vais reprendre après Halloween, donc en novembre, l'Alphabet Challenge. Donc je vais reprendre là où j'en étais, hein, je vais pas recommencer à zéro. Et du coup, je vais intégrer celui que je voulais faire dans la vidéo d'Halloween qui de base était prévue pour l'Alphabet Challenge déjà. Je vais le remettre dans l'Alphabet Challenge. Voilà, comme ça je vais plus mettre l'autre que j'hésitais entre les deux. Donc là, je suis en train de. Alors oui, je viens de racheter un jeu. Pourquoi? Je ne sais pas. Ah, j'en ai au moins 150. Mais c'est Harvest Moon. Et j'adore cette. J'avais acheté la Wii. La Wii, juste pour pouvoir jouer à Harvest Moon, en fait, de base. Et je l'ai déglingué, le jeu. Je l'ai fait de long, en large et en travers. Et là, ils viennent de ressortir un nouvel opus sur Switch, enfin sur toutes les consoles en fait. Il est dispo sur Steam, sauf qu'il est jouable qu'à la manette. Il n'est pas jouable au clavier. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Je ne sais plus. Ou si c'est à Georges que je l'ai dit. Moi, je joue au clavier sur mon PC. C'est pour ça que j'aime jouer sur PC, justement. C'est pour jouer au clavier. Parce que je suis plus habitué au clavier qu'aux manettes. Je ne suis pas beaucoup des manettes. C'est pour ça que je ne joue jamais sur console. Et là. Figurez-vous que Sam m'a filé une manette de sa PS4, hein, vu qu'il maintenant il a la 5. Donc j'ai testé sur Hololive, et mon Dieu, quel bonheur de jouer à la manette sur ces jeux-là. Quand il n'y a pas l'orientation de la caméra, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus fluide pour jouer que de se déplacer avec les touches, parce que normalement, moi je me déplace à la souris. Enfin, à la souris. J'oriente la caméra à la souris. Voilà, j'avance avec la touche Z normalement et je m'oriente avec la souris de l'autre côté. Donc ça fait comme un joystick en fait, si vous voulez. Sauf que bah là, comme il n'y a pas l'orientation de la caméra, il faut que je jongle avec 4 touches pour bouger. Et avec la manette, ça va tout seul. Donc du coup, je me suis dit, bah maintenant, je peux me prendre Harvest Moon, puisque j'hésitais justement à cause de ça. Je m'étais même renseigné pour voir pour acheter la Switch pour pouvoir jouer uniquement à ce jeu-là sur la Switch. Ben maintenant c'est réglé, donc je l'ai commandé, je l'ai installé, j'ai plus qu'à tester. Mais il faut aussi en parallèle que du coup je devais faire la résine aujourd'hui, mais j'y arriverai pas. Oui, je suis en train d'admirer mes cheveux, hein, j'y arriverai pas parce que ben, il faut que je remette de l'ordre pour samedi au cas où, vu qu'on ne sait toujours pas si pour faire le repas avec les filles, on le fait chez Manon ou ici, à cause de Chéri, parce qu'on ne sait pas si l'implantation de la Q8 va se faire samedi ou pas. Il devrait savoir quoi aujourd'hui. Il m'a dit, je vais contacter le responsable Q8 pour savoir.
Il va essayer de le joindre le plus tôt possible pour pouvoir m'informer, pour que je puisse tenir les filles au courant de savoir si, du coup, Manon doit tout... Parce que normalement, c'est Manon qui nous invite. Mais voilà, enfin, je vous ai expliqué lundi, je crois, hein, dans le début du vlog. Soit Thierry ne travaille pas et tout est parfait, on va chez Manon comme elle nous a invités. Soit Manon ramène tout ici et on le fait ici, ma foi. Donc on verra bien. Mais pour être sûr, je vais commencer à mettre de l'ordre. Il faut que Chéri me montre ses foutues planches pour le plafond parce qu'il ne m'a toujours pas attaqué la salle de bain. Il avait dit cette semaine. On est mercredi déjà. Et je pense pas qu'il va attaquer cette semaine. Hein. Voilà. Mais bon, après, c'est vrai qu'il a beaucoup de boulot là, entre l'implantation de la cuite. Le directeur qui est malade, qui doit remplacer pour les trois quarts des trucs. Voilà quoi. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez. Donc du coup, j'attends ma palette d'Anes Amérique qui a été envoyée. Et du coup, je l'aurai dans 2 à 4 jours ouvrables. En espérant que ce soit plus 2 que 4. Comme ça, je vous l'incorpore mercredi prochain. Et voilà. Et le nouveau lancement sur Monolith, donc avec les deux palettes que je veux, est dispo dans 3 jours. Donc j'ai encore dépensé. Et ouais, Au départ, comme j'ai commencé à donner ses mérites, je me suis dit la adepte, je vais pas la prendre, je vais prendre juste les highlighters là que j'attends depuis mi-juin. Puisque la adepte, c'est comme la donner sa mérite en fait. C'est des toppers en gros, si vous voulez. Donc vous pouvez les utiliser soit en highlighter, donc sur le teint, soit sur les yeux. Enfin voilà, vous pouvez les utiliser pour tout. Mais c'est quand même pas les mêmes couleurs. Et je me dis, et c'est plus pailleté aussi, parce que dans la Danes Amérique, il y a plusieurs effets. Là, c'est tout le même effet en fait, si vous voulez, c'est juste différentes couleurs. Mais je me dis, si je la prends pas, vu que c'est très dur de se procurer après ce genre de produit sur Monolith. Puisqu'une fois qu'ils sont à court, il faut attendre de nouveau qu'ils restockent et tout ça. Je me dis, je vais regretter si je la prends pas. Donc, autant la prendre. Et voilà. Donc, voilà, ça va me faire encore 140 balles que j'ai dépensées dans 3 jours. Voilà, comme ça, vous connaissez toute ma vie. Là, je vais aller nourrir les chiens. Je vais commencer un peu mon rangement. Et puis, je vais pouvoir faire une petite pause. Je vais... petite pause jeu. Hein. Je vais aussi mettre les crochets dans les décos là et mes porte-clés tête de mort. Voilà, je vous montre avec mon doigt devant et sur mon petit bébé dragon là. Ah, j'aime trop. Quand j'ai vu la taille du moule, j'ai dit mais je vais rien en faire de ce bazar là. Et finalement, en petit porte-clés là, ça va être trop beau. Bon, si Focus veut bien quoi, mais parce que Focus est fatigué. Je n'arrive pas à régler ce foutu autofocus là. Ah, merci. Voilà, c'est trop beau. Donc ça, je pense que ça se fait très vite quand vous avez un fond de résine. Donc je pourrais en refaire plusieurs et les mettre en vente aussi. Donc pour info, ça sera 5 euros le petit bitonio, le petit porte-clés. Quoi, hein. Voilà, voilà. Bon, là, je vais aller nourrir les chiens, me refaire un café. Oui, j'ai déjà fait mon lave-vaisselle aussi ce matin. J'ai déjà commencé à ranger ma table. Et voilà, comme ça, après, je vais pouvoir tester mon jeu en faisant... une partie ménage, une partie jeu, voilà. Je suis obligée de faire comme ça, je peux pas. Il faut que je fasse des pauses pour le ménage, je sais pas faire tout d'un coup. Sinon j'ai trop mal après. Surtout que là j'ai déjà mal là-dedans. Je sais pas si vous voyez, mais je suis gonflée. Et c'est ça qui me donne mal le crâne, parce que j'ai mal le crâne depuis 3 jours. Et j'ai le ganglion là, tout gonflé et qui est super douloureux. Mais je pense que j'ai un problème à une dent. Hein. Enfin, oui, j'ai mal à une dent de toute façon. Et j'ai pas de carie, hein. J'ai regardé, mais je pense que c'est un petit début d'abcès. Ça arrive souvent avec le tartre. Hein. Donc ça me lance jusque dans l'oreille et ça remonte jusque dans le crâne. Et c'est à cause de ça, je pense que j'ai tout le temps mal de la tête. Donc voilà, pour mes mésaventures santé. Douleur, niveau douleur. Après j'ai mal partout en ce moment. Hein. J'ai le changement de température. Là, je commence, et comme il commence à faire plus froid et que j'ai une intolérance au froid, ben forcément les douleurs avec l'arthrose. Le froid, ça sensibilise beaucoup l'arthrose. Donc la fibro, je ne sais pas du tout comment ça se passe niveau température et tout ça. Je suppose que de toute façon, le froid, ça accentue toutes les douleurs. Hein. Mais l'arthrose, c'est un enfer. Hein. Je sens que j'ai la nuque.
J'ai douleur de là à là, quoi, vous voyez, dans tout l'arrière. C'est une mouche qui vient de passer ou un papillon? Ah, une mythe. On a plein de mythes avec les graines des gigoux. Ah, Shadow, non, c'est Silver tout à l'heure, qui a attrapé une mouche. Il l'a mangée. Puis j'aurais donné une blatte aussi ce matin. J'ai essayé de liquider aussi l'élevage de blattes, là, je vais essayer de leur en donner pour le liquider. Je vais donner les adultes en priorité, comme ça les bébés ne se reproduisent pas. Parce que c'est trop d'entretien pour moi, hein. J'arrive plus à suivre. Quand il n'y en a qu'une vingtaine dedans, ça va, mais là, ils sont nombreux, donc c'est compliqué. Voilà. Le chien entend sa poulette, mais t'as faim. T'as faim, mon bébé prout. Oh, t'avais faim, mon bébé. Oh, il avait faim, mon bébé. Ouais. Non, non, t'allais pas te tremper. Oh. Elle va courir comme une folle dans le jardin où c'est humide. Et après, elle me saute dessus. Ou sur mon fauteuil et je vais essuyer mon fauteuil. Bref. Bon, allez, sur ce. Ah oui, je vais faire ma lune aussi. Je vous montrerai le rendu demain. Voilà, voilà. Sur ce. On se dit toujours. Et je vous montrerai demain mon jeu, je pense. De nouveau. Oui, on va faire ça. Alors, je suis très orange. Je crois que j'ai modifié mon anneau sans faire exprès. Attendez. Ah non. Je vais le mettre un peu moins fort. Alors, faites pas attention. Regardez, j'ai encore de la colle à fossile collée partout sur la face. J'ai déjà tourné. Il est 10h20. J'ai déjà tourné une des vidéos d'Halloween. Je me suis déjà démaquillée, bien évidemment. J'ai déjà fait le montage et le upload. Comme ça, c'est fait. Je voulais en tourner deux aujourd'hui, mais j'ai pas le temps puisque je dois tout préparer pour samedi. Puisque finalement, chérie travaille, donc les filles descendent ici, donc je dois faire le ménage, bien évidemment. Et voilà, voilà. Donc hier, j'ai pas fait grand chose. Enfin, si, à part ranger, j'ai de la colle à fossile partout. Je vais me démaquiller correctement après et faire un masque parce que ça me gratte à chaque fois quand je colle la colle à fossile sur ma peau directement, comme ça. Quand c'est sur les yeux, ça va, mais. Sur le visage, ça me gratte. Et hier, j'ai fait ça. Alors, vous voyez absolument pas. Mais comme j'ai la flemme de me lever, je vais juste vous incorporer un petit close-up sur le côté. C'était Marise qui m'avait partagé un réel. Moi, j'ai pas tous les strass et j'ai pas énormément de chaînes et tout ça comme elle met. Mais voilà, j'ai eu envie de le faire aussi. Donc, bah, j'ai fait ça. Et je trouve ça très joli. Ça se voit pas des masses là, mais voilà. J'aime beaucoup le rendu. J'ai lavé tous mes moules utilisés pour que je puisse aller les ranger. J'ai lavé l'appareil à soupe. J'ai fait tourner mon lave-vaisselle. J'ai remonté les plaques. Et ouais, il y a encore Georges qui a demandé son panier de linge. Vous ne voyez pas, mais Georges a encore monté son panier de linge et rangé son linge qui traîne partout sur les chaises, comme d'hab. Et on sera pas mal. Comme ça, j'aurai plus qu'à nettoyer le sol. Voilà. Comme ça, je ferai ça demain tranquille. Que j'ai eu le temps de me préparer samedi parce que je suis quand même un minimum apprêté. Et voilà. Donc, du coup, j'ai dit à Manon pour pas qu'elle ait besoin de tout rapporter. Moi, je préparerai, enfin, je prendrai tout ce qui est boisson et apéro. Comme ça, je pourrais préparer l'apéro avant qu'ils arrivent. Et les boissons, ça évite qu'elle se les trimballe. Donc, elle mènera la bouffe et le dessert, quoi. Voilà. Donc je pense que Chérie va aller aux courses tout à l'heure pour aller chercher ce qu'il faut. Je ne sais pas. Après, il est débordé là en ce moment, surtout avec l'implantation de la station samedi. Hier, il est rentré à 6h30, il a encore bossé après de la maison jusqu'à 8h qu'on mange. Donc voilà. J'espère que samedi il rentrera pas trop tard, qu'il puisse manger avec nous. Sinon, il mangera quand il rentre, hein, ma foi. On ne sait pas du tout pour combien de temps il y en a. Donc on verra bien. Là je viens de voir que Culture Gaming a encore sorti un nouveau Let's Play découverte. J'en ai marre, parce qu'elle en a sorti un hier avec un jeu que j'ai mis en wishlist direct, qui n'est pas encore sorti, donc ça va, j'ai encore un petit peu de temps avant de craquer. Et j'ai donc craqué sur Harvest Moon, The Wing of Antor. The Winds of Antor, je crois que c'est un truc comme ça. Donc je vais lancer le jeu, et je vais vous montrer un petit peu, en superposant les trucs. Et changement de programme pour le live vendredi, bon, qui est déjà passé pour vous, hein, mais voilà, comme moi je viens de changer le programme. D'ailleurs, la vidéo que je viens de tourner n'était pas prévue au programme d'Halloween non plus de base, donc j'ai déplacé, mais ça je vous avais dit, enfin bref, je ne sais plus ce que je raconte. Je vais faire mes ongles, donc
voilà, j'ai fait maison, vous l'avez raté peut-être, ou vous étiez là, je ne sais pas. Mais voilà, au lieu de jouer, je vais faire maison parce qu'il faut que je refasse mes ongles et comme ça ils seront faits pour samedi. Bon, ceux-là sont encore beaux, hein, mais en fait, j'utilise le noir de chez Ongle 24, mais c'est celui en gel, c'est ceux que j'aime pas. Là, faut vraiment que je... enfin, pour l'instant, j'ai encore le Madame Gamme, mais j'essaye quand même de terminer celui-là parce qu'il me traîne là. Et il se rétracte à mort, c'est chiant. Je sais pas pourquoi il se rétracte autant quand je le catalyse, ça m'énerve. Donc, je sais pas du tout ce que je vais faire, j'irai préparer ça demain. Dans la journée, demain j'aimerais bien tourner aussi un des derniers make-up. Il m'en reste trois à tourner là, de make-up d'Halloween. Et c'est les plus travaillés, donc c'est ceux qui me prennent un peu plus de temps. Voilà. Donc comme je joue à la manette, je vais tout lancer et je vous reprends en miniature juste ici avec le jeu pour vous montrer ça. Il est sublime et il a l'air hyper long à jouer. Fire Farm, je vous ai dit, hein, Fire Farm, là, je suis arrivé à la fin des quêtes principales. Donc, une fois que j'arrive à la fin des quêtes principales, moi, j'avais beaucoup de mal à continuer les jeux pour faire juste ce qui est collection et tout ça parce que c'est trop redondant en fait. Moi, j'adore quand il y a des quêtes, donc c'est pour ça que je switch avec beaucoup de jeux. C'est pour ça que j'aime beaucoup Disney parce qu'il y a tout le temps des mises à jour. Fae Farm, il vient de sortir donc je ne sais pas du tout comment ça va aller. Hololive, je sais qu'il y a des events et des mises à jour régulières. Et Harvest Moon, je viens de le commencer et j'ai encore Spirit of the Island, mais pour l'instant je suis à fond sur Harvest Moon donc voilà. En gros, je viens de me rendre compte que je n'ai pas terminé non plus. Story of Season, j'ai terminé pareil la marge principale, enfin la ligne principale éditoriale de l'histoire. Il y a Hogwarts Legacy aussi que j'ai pas encore terminé. Mais je me demande si je vais pas recommencer une nouvelle partie plus tard parce que j'étais un peu perdu. Il est un peu compliqué à prendre en main au début. Et je pense que là, je vais le jouer à la manette aussi. Puisque maintenant, j'ai la manette pour jouer sur le PC. Voilà quoi. J'ai une mèche qui rebique. Hein. Bon, je vous reprends sur le jeu. Je vais d'abord aller faire pipi le temps que le jeu se lance. Ok, donc on est parti. Harvest Moon, The Wind of the Anthos. Et franchement, ce jeu est dingue. Dingue. C'est une dinguerie. Je suis floute. On va attendre que ça charge. Donc là, j'ai déménagé ma maison pour ceux qui jouent. Je pense pas que vous soyez nombreux à jouer. Je sais que vous n'êtes pas nombreux à jouer en règle générale. Mais, comment ? Pour avoir plus facile et économiser de l'énergie, au bout d'un moment, on peut déménager notre maison. Donc là, je me suis fait des sous-sous. On va tout de suite s'occuper du jardin. Donc voilà, ma maison est mise ici. Regardez-moi ça comme c'est beau. Les temps de chargement sont assez courts. Bon, là, ça a été un peu plus long parce que je venais de lancer la partie. Allez voir ma poupoule. J'ai une poupoule. Je sais pas si elle peut se faire bouffer, ils ont rien dit. Et puis si, je l'ai appelée Mimosa, voilà, parce que œuf Mimosa. Cherchez pas à comprendre. Donc, je vais la nourrir, je vais en prendre qu'un, hein, comme ça je gagne de la place dans mon inventaire, parce que les places dans l'inventaire coûtent cher. On va nettoyer le compost. Alors c'est très cartoon hein, graphisme, mais j'aime beaucoup. Alors on peut choisir juste la couleur des cheveux hein, et la couleur des yeux et la forme du visage pour la création. Apparemment après on peut débloquer ou crafter, je ne sais pas, vraiment des vêtements et tout ça. Il a l'air vraiment complet. Franchement, il est pas mal et en plus il est super intuitif. Vous voyez, là je viens de remplir mon arrosoir, j'ai pas eu à le sortir et là je vais arroser. J'ai pas besoin de sélectionner mon outil. Ça j'adore, c'est comme dans Fae Farm. Pareil, il est très intuitif ce jeu.
Donc vous pouvez passer de bûcheronnage à un autre truc d'un coup, quoi. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de... Bon, après j'ai un peu de problème de mal encore avec la manette pour m'orienter. Mais voilà, la map est hyper grande. Donc voilà, là c'est la map. Attendez, j'essaye de... Non, c'est pas ça, de dézoomer. Non, de... Oh, vous voyez, j'ai des problèmes avec la map. Voilà quoi. Vous voyez? Pour l'instant, moi j'ai débloqué que ça. Et je sais pas pourquoi elle ne s'affiche pas la map. C'est ça qui est bizarre. C'est bizarre. Là c'est où je suis. Je sais plus comment ce qu'on... Voilà. Je vais voir, hein, ça va certainement venir par après. Et là, ben, c'est toutes les quêtes que j'ai. Voilà, là, c'est des demandes de la part des habitants. Et là, je dois aller au village de Providence. Donc, ben, écoutez, on va aller jusque-là. Et je vais en même temps récolter des pommes et vous montrer des petits. Alors, je sais plus comment ce qu'ils s'appellent, les petits lutins là. Ils vous donnent des graines. Voilà. Donc, à chaque fois que vous en croisez un, c'est le meilleur moyen d'avoir des graines gratos en fait. Je récolte tout hein, pour récolter tout. Alors il y en a encore un par là. Ils sont toujours à la même place et ils donnent toujours les mêmes graines. Et il y a des plus rares. Il y a des bleus que là il faut s'accroupir pour les approcher pour pas leur faire peur. On croise des animaux. Je vais voir si les lapins sont là. Et apparemment je pense qu'on peut les adopter. Moi en achetant le jeu j'ai en même temps acheté. Il y avait un pack. Pour avoir des animaux supplémentaires, dont une licorne, un panda. Donc j'ai acheté ça, c'était 2 euros. Hein, voilà, ça me faisait 50 euros. Le... Ah, ben, il y a un bleu là-bas, regardez. Donc là, vous allez, quand vous approchez, il va mettre un petit point d'un. Voilà, hop, et tout. Y aller en s'accroupissant. Alors c'est très lent. Pourquoi lui faire peur? Pourtant, j'ai pas une tête qui fait peur. Moi peut-être, mais pas mon personnage. Et celui-là vous donne soit des plus rares, soit plus de graines d'un coup. Voilà. Et vous avez également les dorés. Alors les animaux, c'est pareil, il faut les approcher en vous mettant accroupi. Voilà, hop, une fois que vous avez le point d'exclamation. Regardez les petits lapinous, comme ils sont trop choupinous. Enfin, c'est des lièvres. Pour l'instant, j'ai croisé les lièvres, j'ai croisé le hibou, mais ça c'est le soir, les loups et un renard. J'ai pas croisé d'autres animaux encore, mais bon, je suis qu'au début du jeu, donc je pense que c'est normal. Et franchement, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de jeu. Donc bah, écoutez, je suis contente parce que plus il y a de choses. Ah bah le renard, il est là-bas. On va lui faire coucou. Je vais récolter les pommes là. Parce que si je dois aller dans la mine. Alors des fois, quand vous récoltez les choses aussi, vous avez des petits lutins comme ça qui apparaissent. Soit dans les arbres, dans les fougères, enfin dans les. Dans les grandes herbes et tout ça. On va récolter les petits champignons. Allez, hop. Et là, vous n'avez pas besoin de vous accroupir. Hein. Quand il sort comme ça. Accroupi. Et regardez comme il est trop champignon. Alors, c'est très cartoon. Hein. Franchement, il faut aimer ce genre de graphisme. Moi, j'aime beaucoup. Et je trouve le jeu très reposant. Alors je ne sais pas du tout ce que ça fait une fois que les animaux sont full en petites notes là. Je ne sais pas pourquoi j'ai des notes d'ailleurs, c'est un peu bizarre à la place des cœurs. Je suis peut-être pas sur le bon chemin pour aller à la ferme, enfin au village. Par contre, ce que je trouve hyper chiant, alors vraiment très très chiant, déjà on perd très vite son endurance, donc c'est pour ça que j'y vais vraiment en trottinant et pas en courant, parce que si je sprint, hop, c'est là, mon endurance, les petits cœurs en dessous, ça part hyper vite. Et bah, il n'y a pas de TP encore, mais ça je pense qu'il y en aura après parce que j'ai vu des petites statuettes et je pense que ça sera les TP ça après. Et ici par exemple, vous voyez, là je suis au bord d'une espèce de petit rebord et je ne peux pas sauter. Je ne peux pas passer en fait, donc il faut faire à chaque fois tout le tour. Ça je trouve que bon, c'est un peu dommage quoi. J'ai entendu la porte, c'est un courant d'air, je crois que c'était. Mais j'ai une mouchette là. Si vous avez une astuce pour les mouchettes de fruits, parce qu'avec la bouffe des titis, j'ai plein de mouchettes. Ah, encore des petits lapinous.
Là, c'est peut-être les lapins, alors les autres, c'était des lièvres. Je ne sais pas s'il y a plusieurs fois les mêmes animaux, hein. Je pense, je ne sais pas du tout où est lièvre. Mais ça, c'était que j'avais jamais vu. En même temps, je suis dans un endroit que je suis jamais venu, je crois. Bien, bien. Voilà. Petite toute douce, toute sympatoche. Oh, des chevaux! Comment je vais là-bas? Ah oui, on ne peut pas traverser l'eau non plus. Oh, faut que j'essaye d'attraper les... Enfin, d'aller voir les chevaux. Voilà. Ah ben là, il y a un pont, donc à mon avis, il faudra que je répare le pont plus tard. Bah, c'est quoi qu'il y a? Des moutons. Donc les graines, ouais, ils donnent des graines de légumes, quelques fruits et des graines de fleurs. J'ai pas encore eu des graines d'arbres pour mes cultures. Et j'aimerais bien trouver pour avoir un deuxième champ de culture pour pouvoir faire un champ de légumes, un champ de fruits et un champ de fleurs. Bon, je dois aller au village. Ok, j'y suis, je crois. Ah, là-bas, je dois aller suivre dans l'autre sens. Je dois suivre le point d'exclamation. Donc, eh ben, écoutez, moi, je vais... Vous voyez, c'est ça, les petites statuettes que je vous disais. Ah, attendez, je vais... Une cinémathèque. Allô, vous m'entendez? Ah, je dois avoir un nouveau lutin. Au nord du village. Ah oui, c'est la statue de la déesse. Dirige-toi vers la voie. J'avais vu un petit tonneau là, mais je sais pas. Oui, j'y suis. Vous voyez, c'est ça les petites statuettes que je vous disais. Et celle près de ma ferme que j'avais avant, elle était. Le truc sur le front était allumé. Mais je ne peux pas encore les utiliser, je ne sais pas. Et là, c'est le truc de la déesse. Vous voyez, là, on va encore pouvoir faire un pont. Donc là, j'avance dans l'histoire, je ne connais pas. Par contre, comme je joue à la manette, je n'ai pas de son sur le PC. Il faut que je mette mes écouteurs penchés à la manette pour l'avoir. Oh, qu'elle est belle! Très expressif aussi, hein. Ouais, donc l'histoire, c'est qu'il y a eu une éruption, il y a 10 ans, il y a eu une éruption volcanique, et que pour protéger le village d'où je viens de base, hein, puisque là j'ai déplacé ma maison, la déesse a érigé un mur tout autour de du village. Donc il y a des familles qui ont été séparées. Il y a des produits qu'ils ne trouvaient plus, qu'il faut leur retrouver. Enfin, vous voyez, c'est un peu que j'ai rétréci à cette petite taille. Mais c'est trop mignon. Et tous les lutins se sont transformés en murs. Ah oui, donc ça aussi, il faut faire. Et c'est moi la sauveuse. Bah ouais, je sais. Et vert, c'est le premier lutin là, des moissons. Elle va nous aider. Ok, mais comment? Je sais encore une ou deux choses qui pourraient être utiles. Ben moi, je suis toute petite aussi, mais je suis utile, hein. Je vais vous dire où sont les trois autres lutins. Ok. L'un réside dans un village où on entend des vagues grondantes. Un autre se trouve dans un village rempli d'arbres dorés chatoyants. Et le dernier est dans un village recouvert de neige. Ah oui, ça j'ai vu dans le trailer. Oh, ça a l'air trop beau. Il y a même un renne, il y a un Rudolph. Oui, j'ai compris, je ne suis pas débile non plus. Je ne sais pas où c'est, mais je ne suis pas débile. Je pense que vous saurez quand vous vous approcherez d'eux. Je me doute. Si tu importes un fruit de la femme de la moisson à la déesse, tu peux faire des choses comme agrandir ton sac ou augmenter ton endurance. Je crois que j'ai pas les fruits. Euh...
village de Providence. Ouais, mais attends, parce que si je peux agrandir mon truc, ça m'arrange là. Examiner. Augmenter l'endurance maximale. 3 fruits. Contre une fraise de la déesse de la moisson qui augmente ton endurance. Oui. Alors. Ah oui, j'ai eu un cœur supplémentaire. Agrandir le sac. On dirait que tu n'as pas assez de fruits de récolte. Ah oui, on va en collecter au moins 3, puis reviens. Ok, ok. Donc ça, il faut que je trouve les petits gnomes dorés. Donc, ben, on les trouve... enfin, les petits lutins. Non, c'est pas des gnomes, c'est des lutins. On les trouve au fur et à mesure, hein, comme ceux-là, par exemple. Ah, il va se passer quelque chose. J'ai oublié de vous dire une chose importante. Regardez cette statue. Ah! TP. Mais je suis sûre que je peux la faire fonctionner à nouveau. Les TP, ça c'est la vie. Ah, et du coup, ça me... Ok! Un peu partout dans le monde. Je ne pense pas qu'elles fonctionneront dès que vous les trouverez, mais mes pouvoirs devraient me permettre de les remettre en état de marche. Plus vous trouverez de statues, plus il vous sera facile de parcourir le monde. Ah, logique! Tu peux te rendre à cet endroit à tout moment à partir de la carte du monde. Ok! Appuie sur X pour voir une liste des emplacements. Ok! Et ben voilà, ça répond à mes deux premières questions, de savoir pourquoi ma map ne s'affiche pas et si je vais avoir le TP. Oh, il douche. Oh. Ça se montre à ce qu'on fait. Jusqu'à vert. N'oubliez pas de le tester plus tard. Ok. Ah bah si, ça va être pratique. Merci madame. Ah, il y en a un là-bas. Ah oui, mais je ne sais pas. Vous voyez ce que je vous disais. J'ai eu la graine. Il y en a un là-bas. Juste là. Mais je ne sais pas y aller puisque je ne peux pas aller dans l'eau. Et c'est les petits lutins-là qui vous donnent les graines de la moisson là pour aller voir, pour agrandir votre sac et votre endurance. Ça va être génial. Donc, il faut que j'essaye d'en trouver pas mal. Va au village de Providence. J'y suis, hein. Et je dois faire quoi? Là, j'ai une quête. Donc c'est dans l'autre sens, c'est de l'autre côté. On va voir par là. Regardez comme elle est jolie, elle. Aoulani. Oh, c'est beau ça, hein. J'avais pas lu son prénom encore. Andrea. Bon, pour l'instant, elle n'a rien à me demander. Aoulani. Oh, c'est beau comme nom. Oh, j'adore. Donc voilà, voilà. Ici, j'ai quelque chose. Et B, ça ne s'arrête plus, dis donc. Je me fais le palier. Ah, bonjour. Vous êtes très nombreux. La personne qui a brisé le mur du village, pour que les gens puissent maintenant aller et venir librement. Oui, c'était moi. Bah, ouais, je suis jeune, et alors? Oui, je parle souvent, mon jeu. Hein. Alors, j'aimerais que vous ayez ceci. Je suis Gunnar d'un village appelé Zimagrad. Pourrais-tu donner ceci à ma nièce Lina? Donc, ça sera certainement le prochain village que je vais découvrir. Du village de Herzburg. Donc, ça, c'est, je crois que c'est celui d'où je viens. À quoi? Du village Lilikala. Kaimana. Juste à côté du grand mur dans le village de Lilikala. D'accord, monsieur. Avec plaisir, monsieur. Sauf que je ne sais pas où c'est. Oh.
non, c'est Lechtenberry que je viens. Faites-moi le savoir. Ok. Bon voyage. Merci. On va mettre la lettre. Ok. On va mettre la lettre au village de Lilikala. Alors, attendez, on va aller voir. C'est où Lilikala? Ah ben, c'est juste ici. C'est le village d'à côté. Est-ce que j'arrive à découvrir Lilikala? Quelle heure il est? Et ça va être tendu, quoique j'ai encore de l'endurance. Qu'est-ce qu'on fait? On tente ou pas? Non, je vais aller me coucher d'abord. Parce que l'endurance descend très 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 vite. Et vous voyez, je n'ai pas TP là. Donc il faut que j'aille sur la carte, si j'ai bien compris. Chercher une statue de téléportation. Et je ne veux pas se déplacer vers l'accueil. Oui, c'est ma maison. Ok, ben, ça, ça va m'aider, les déplacements comme ça. Voilà, voilà. Bon, écoutez, sur ce, moi, je vous laisse. Je vais aller la foutre au pieu. Et voilà. Donc, on switch de jour. Demain, je vous donnerai le planning et tout ça. De toute façon, ce sera toute la semaine. Et puis, voilà. Allez, on switch. Alors, j'allume pas la lampe, j'ai mal de la tête. Encore. Il est 10h48, alors je vous prends assez tard, mais je me suis levée très tôt. Je me suis levée un peu après 3h, 3h30 je crois. Je me suis fait réveiller par les titis qui gueulaient, et celui qui gueulait, gueulait pas comme d'habitude. Donc ça m'a inquiété, je suis descendue voir, et en fait non, on voulait juste que Silver remonte se coucher. Donc ça devait être Sky qui gueulait, comme d'hab. Du coup, bah, j'ai commencé mon ménage. Voilà, je vous ai fait une petite story. Il était 4h10, je crois. Avec mon café et mon pipchit monsieur propre. Ça fait quand même très sombre. Alors attendez, je vais allumer, mais je vais mettre très bas la loupiote. Donc voilà, j'ai fait mon ménage jusqu'à 8h30. Enfin, j'ai fait une partie de mon ménage jusqu'à 8h30. Il n'y a plus rien sur ma table. Incroyable. Ça va être comme ça jusqu'à samedi et dimanche, il me sera de nouveau le bordel. Hein. Ils savent pas garder ma table rangée ici. Donc j'ai fait mon ménage jusqu'à 8h, 8h30. Après je me suis recouchée un peu dans le canapé parce que bah, je commençais à tourner de l'œil. Il faudrait peut-être que je mange un bout aussi. Ça m'éviterait peut-être d'avoir la tête qui tourne dès que je fais quelque chose. Et voilà. Parce que les filles viennent demain, du coup, je ne vloguerai pas tant qu'elles sont là, parce que voilà, on va profiter, j'ai plein de choses à faire, de toute façon, on va profiter. J'ai rangé tous les jouets de Riley, hein. On a déjà ressorti 4. Et je viens de les ranger. Là, j'attends le facteur qui m'amène bah, le cadeau de Noël de mon neveu. Je vous montrerai pas parce que il regarde mes vlogs. Hein. Voilà, mes neveux et nièces regardent beaucoup mes vidéos, donc. Je veux pas gâcher la surprise. Donc moi je vais préparer aussi le live en parallèle de mon ménage. Je suis nouveau plus. C'est parce qu'il n'y a pas le suivi. Il faut que je remette le. Attendez. On va essayer tout de suite. Je sais pas si j'ai modifié le. Non. Il faut que je coupe l'appareil. Bref. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Je crève de mal à la tête. Je vais préparer le live pour ce soir aussi. Donc il faut que je prépare mes ongles. Enfin mes vernis pour faire mes ongles plutôt. Donc je vais vous donner le planning de la semaine prochaine. Lundi, une palette à make-up avec la Interstellar de Be Perfect et Stacy Marie. Alphabet Challenge Z mardi. Toute la semaine. Hein. Mercredi, swatch and make-up de la Danessa Miri volume 5. Normalement, je devrais l'avoir demain ou lundi. J'espère que j'ai eu le temps de filmer la vidéo pour mercredi parce qu'après, je ne sais pas la caser avant la fin des vidéos d'Halloween. Ça m'énerve parce que c'est quand même une nouveauté et que c'est pas donné. Donc, si vous voulez les voir, les swatchs et l'utilité et tout ça en vidéo avant de craquer dessus, j'espère pouvoir la poster mercredi. Normalement, il ne devrait pas trop y avoir de soucis. Sauf s'il y a un problème encore avec le livreur. Mercredi, jeudi, le petit trailer pour lancer la vidéo, les vidéos d'Halloween, hein, voilà. Et puis on attaque les vidéos d'Halloween, donc mardi, oh là là, vendredi, samedi, make-up Halloween, dimanche, le premier spooky vlog, puisqu'il y en aura deux, j'ai lancé les vidéos d'Halloween la semaine.
Et la semaine d'après, Halloween. Voilà, jusqu'au 31, de toute façon, vous savez, là, vous allez avoir 2 semaines et demie de vidéos. Puisqu'après, il y a la vidéo, on reprend le 1er et le 3 novembre. Et voilà, voilà. Bah écoutez, j'ai rien de plus à vous dire pour aujourd'hui. Là, je vais attendre le facteur, j'attends de voir si j'ai d'autres colis qui arrivent. Ça m'étonnerait. Je pensais recevoir ma couette aujourd'hui, ma couette Bambi, mais... elle n'a pas l'air de beaucoup bouger. Danessa Miric sur PostNL, c'est toujours marqué que le collier n'est pas trouvé. Elle arrive en Belgique déjà, donc ça peut encore changer d'ici là. Donc voilà, j'attends. Et puis c'est tout. Donc moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine. Ce vlog a été très long avec les jeux. Hein. Je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas les jeux en plus. Voilà. Mais, voilà. Dans les vlogs, je vous partage ma vie. Donc forcément, les jeux en font partie. Ouais, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Vous rappelez de ne pas oublier de liker cette vidéo, de répondre en commentaire à des interrogations ou juste mettre des petits emojis hein, si vous ne savez pas quoi mettre. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et voilà, donc vous savez qu'à partir de vendredi, c'est les vidéos d'Halloween qui commencent. Et voilà, voilà. Donc moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.